じいさん、釣ってきたぞ。おお、釣りに関してはすっかり一人前になったな。だが、わしをここから動かすことができるかな？来い。どうした？まだこっちは左腕しか使っていないぞ。釣りがどうこうというよりも、すでに格闘術の訓練になっている気がする。今回のお題は特別だ。ブルーマーリンを2匹釣ってくるのだ。Mais toujours plus, hein? 特別？わしが一度しか釣り上げられんかった魚だ。これを釣れれば晴れて、わしと同等の釣り師となるのだ。Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Nier Replicante. J'espère que vous allez bien. Bon, on va finir les quêtes secondaires là qu'on a. On commence la quête principale ? Let's go. On va en profiter pour faire un petit tour à façade vu qu'on a des quêtes là-bas aussi. Ongiol, Uran, to tatoshite daro sa. どうした？ゼルガーンとシオリって土地敵、今年リザテイル、サキザアリチ、シサッタタヤアリザキテキテ、でテッソチギュッソ、テンドチギュッソ、ルタチギュン、アツテタトルデアロサ。Quel enfer! Il en demande tellement! Oh! Tanto Tatoki! De. Sottada! Doustando? Gindento Koza, Kitosonda! Chuin Karetita, Steer! Krevasechi Isataiza!枯れていただせあって出た。それじゃ俺たちの出番かな。我らに任せるべきだな。くたえ、いつられて去りたた。Ouais, argile c'est bon, mais c'est le seul truc. Rondin, je peux en acheter? Il me réfère, je sais plus si je peux en acheter. Oh là là, oh. Bon, on va quand même essayer de faire ça, je pense. Mais ça, ça a l'air facile. Enfin, ça a l'air facile.Non, mais voilà. Machi no hito, nanda ka genki ga nakatta desu ne. Okami ni osowarete, sore ni ohi o nakushita bakari da kara na. Fuya-san wa minasan ni sukarete mashita ne. Ah, watashi tachi mo yareru koto wa yaro, karera no tame ni. Sou desu ne.Oui, parce que bon, en plus, Kaine, elle avait sauvé cette pauvre Fira. C'est vraiment terrible. Fira, c'est... Ah, au secours, hein. Ce passage-là m'a crevé le cœur. Ah, j'étais pas bien. Oui, j'aurais pu prendre le raccourci, hein, évidemment. J'aurais dû, mais j'avais peur de couper le dialogue. Donc, dans le doute, hein, voilà, vous savez. Hein. Le lore avant tout, hein. Ok, c'est le dash du coup. Ah ça marche. En fait genre je l'ai fait, du coup je me suis arrêté, j'ai arrêté de tout faire. Oh d'accord. Bon. On va faire ça mais D'accord. En fait, le truc c'est que du coup,
J'ose pas bouger. Alors je peux faire ça quand même. Hein. C'est juste que j'ai pas le droit de dash. Ce qui coupe tous mes réflexes habituels. D'accord. C'est tellement stressant de pas pouvoir dasher. Pas le droit de taper quoi, quel enfer. Là, je crois que c'est pas le droit au grimoire, c'est ça? Ouais, c'est ça.
Ok, il fallait faire toutes les épreuves pour que la porte s'ouvre. Ah, il fait toujours autant de dégâts lui, hein. On en parle de sa vie ? Wouah ! Il a one shot. C'est sûr, il one shot. Peu importe mon niveau 2, il doit one shot. Non mais c'est bon. Ok. Je le garde en visuel quand même. Emile Kikari. Non mais c'est l'armure qui fait qu'il prend aussi peu de dégâts, on est d'accord. Donc là je vais lui péter l'armure avec ma magie, et ensuite il fera plus de dégâts. Oh oui, nice. Ça fait plaisir ça. Ça va le faire, ça va le faire. On joue safe. Enfin, safe. Je vous le dis, mais voilà. On attend, voilà. On attend qu'il attaque. Tranquille. On le bourrine à la magie. Là, on attend un peu pour faire le point. Bam! Ça aurait été con de mourir maintenant. Ok. Orfèvre des mots. Yes. On a quoi, 50%? Je crois que ça doit être ça. Il me semble qu'il y a un succès pour 50% des mots. Ouais. Bon bah je crois qu'on a réussi. Lol. C'était pas ça le boss. MDR. この強さを持った魔物がこの神殿に多数いるということか。とりあえず目的は果たした。おい、報告しに戻ろう。とうとうつ、来てすれたと。タグ、お礼と来ただ。
Et une nouvelle arme, ça fait plaisir. Ressemble à quoi cette arme? Ouais, elle a l'air stylée. Ouais, très lourde. Hein. Très lourde. Ouais, niveau dégâts, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf, tiers. Hein. Mais elle est stylée. Baf. Bam. Bon. Ok. Bon. Maintenant, il faut qu'on rende quelques quêtes. Maintenant, on va essayer de rendre toutes les quêtes qu'on a et c'est bon, hein. On sera bon. Bon, les poissons, voilà. Hein. Le poisson, tant pis. Hein. Le poisson, on verra si on fait quelque chose. On a le temps de faire quelque chose après la forêt. Hein. Et selon ma motivation aussi. Stangokin, hein. Mottekitaso. Ah, Mottekitakuretan desu ne. Dewa, sassok saksei ni torikakarimasu. はい。切れ味抜群で有名ですよ。父さんが昔自分用に作った包丁が元になってるんです。父親が料理を作ってたのか。ええ。母さんはパン以外の料理を作るのが苦手だったので。 それに父さんは料理好きだし、とても美味しかったんですよ。 Ah, désolé. Bon. いらっしゃいませ. 本日はどんなご用ですか? Alors, est-ce qu'il peut m'améliorer mes armes, le psychopathe? ありがとうございます。本日はどんなご用ですか? ありがとうございます。彼のお父さんも料理が好きだったんですね。そうらしいな。あれを依頼してくれた人もそうですが、最近は男の人でも料理好きな人が多いんですね。そうだといいんだがな。行くぞ。 とりあえずあの奥さんに報告だけでもしようか。なあ、シロ。なんだ。魔法で泳げるようには。無理だ。そうか。頼まれていた包丁だ。 様子って?いや、ほら、父親がいないという話じゃないですか。元気に暮らせてるか心配でね。苦労はしているようだが、生活の方は問題ないように思えたぞ。そうか。よかった。どうしたんだ?いや、なんでもないです。そうだ。 報酬を忘れていた。受け取ってください。 Et en fait, c'était le papa. Incroyable. どうでしたか? すみません。宝の場所にはたどり着けたんだけど、見つかったのはただのガラクタだったよ。そうですか。そうだ。この翡翠の髪飾りを売って何か買えないでしょうか。それを
地図にあった宝ということにして。こんな高価そうなものいいのか。これで夫が宝探しから手を引いてくれるのなら。どうするのだ。ご婦人に頼まれた通り、その翡翠の髪飾りを売るのか。その髪飾りは大切なものなんだろう。宝探しのことは俺から旦那さんに話してみるよ。わかりました。よろしくお願いします。あれ、お宝が見つかったんじゃないのか。残念ながら、あの地図に書かれていた場所にあったものはガラクタであった。また外れか。次も地図探しから始めないと。自分のことばかり考えず、ご婦人のことも考えたらどうなのだ。そこのご婦人はな、お主が危険なところに行くことをずっと心配しておったのだぞ。それをお主はまだバカなことを続けるつもりか。まあまあシロ、落ち着けって。奥さんは大切な髪飾りを売って偽の宝を用意するほど、あんたに宝探しをやめてほしいって考えてたんだ。それもあんたの身を案じてのことだ。家内が？そうなんだ。すまない、お前の気持ちも考えてやれずに。いいえ、いいんです。分かってもらえただけで十分。これからは心を入れ替えて妻と頑張るよ。あ、そうだ、これ俺が初めに見つけた地図なんだ。もう必要がないからさ、あんたが使ってくれよ。最初の地図よりもさらに複雑だな。どうせ見つかるのはガラクタであろう。探すだけ無駄だと思うが。確かにそうかもな。でも万が一の希望を捨てられないのが宝探しなんだよな。我には理解できんな。まあちょっとした遊び感覚で付き合ってくれよ。まずは地図の解読からだけど。ポポ、c'est pas fini. Allons voir Popola, hein. Ça ne sera jamais terminé. Konnichiwa. Mata chizu no kaidoku o onegai shitai n desu ga, ii desu ka? Ii wa yo. Kondo wa kono chizu nan desu ga. Nakanaka muzukashii angou no you ne. Bashou wa Kita Heigen kashira. Hoka ni yomesou na mono wa Koutetsu no hashi no hajimari shi bashou?何のことかしら。ごめんなさい、これ以上は解読できそうにないわ。十分です、ありがとうございます。お前さあ、ファサダボン、頼まれていたものすべて揃ったよ。おう、出たいと塗装クラレキョ、あ、忘れる塗装であった。立っておりく、さを貸すだがれ。ナイス。それはどうやらこの地図は本物だったようだな。今回の仕事の報酬として受け取っておこうか。Bon bah voilà, bon 80% des quêtes, alors sachant que, voilà, hein. On verra si on... Ça on verra, et ça, ça va être le truc, c'est que je n'en sais absolument pas. Donc j'ai planté des fleurs, des graines de fleurs dorées, rouges et bleues. Je sais pas, on verra bien ce que ça peut me donner. Si ça peut me donner ça, on verra, hein. Je n'ai aucune idée de comment on loot ce truc.
Et visiblement, il n'y a aucun marchand qui le vend. Donc bon, on a quand même fait pas mal de quêtes, maintenant on va les diriger vers la quête principale. Yes! Ah, anata-gata desu ka? Eh? Saikin kawatta koto? Kami no ki kara hen na kehai ga suru ndesu yo ne? Kami no ki? Eh. Mura no oku ni aru ki desu yo. Sono myou na kehai wa shirabeta no ka? Iie. なぜ調べぬ？近寄ってはいけないことになっているので。なぜ近寄ってはいけないのだ？さあ、なぜかはよくわからないです。妙な話だ。こういう手合いが多いのか、最近は。シロも言えたぎりじゃないよ。我はこのような言葉で苔脅しをするような。待て、続きがあるようだ。続きを呼ばせたくるのです。望んだことを教えてくれるってことか。それはありがたいけど。Et c'est parti pour la session lecture. Je sais plus, je pensais à un truc, je sais plus ce que je voulais dire. Si, oui, le Gamer Vase, je sais pas. Vase, je sais pas comment on prononce. Je sais pas si sa voix, elle est pas dans. Enfin, c'est pas le, un seiyuu qui est dans Persona ou dans Fire Emblem. Pour que la voix me parle à chaque fois autant. Faudra que je regarde. Le noir. L'obscurité profonde. Elle recouvre tout. Des mots sont dispersés ici et là dans les ténèbres. Des mots aimables. Des mots difficiles, des mots d'amour, tels des joyaux qui scintillent dans le noir. Les mots sont peu nombreux, et le temps presse. Saisissant désespérément les mots, l'arbre se tourna vers le ciel. « Quelque chose ne va pas, » murmura l'arbre avec la voix du vent qui souffle parmi les feuilles. « Ce n'est pas ce qui devait arriver. Le plan a échoué. » Jadis, l'arbre savait tout au sujet du monde. C'était sa tâche, sa raison d'être. Il tressaillait presque de joie en rassemblant les souvenirs de l'homme. Ceci n'était pas étrange, car les émotions faisaient autant partie de l'arbre que ses racines et son écorce. Les souvenirs s'accumulaient sur ses épaisses feuilles vertes telles des perles de rosée. Autrefois, il avait tissé une toile qui recouvrait le monde entier. Décomposés par la lumière du soleil, les mots passaient à travers les feuilles et tombaient dans le bassin de la mémoire. Dans ce bassin, ils constituaient des colonies qui s'unissaient en des tourbillons de lumière, et cette lumière formait ensuite des étoiles. L'arbre considérait chacune de ses étoiles comme son enfant, et les chérissait toutes. Regardez mes souvenirs. Un enfant affaibli par la maladie. Il est bien trop jeune pour avoir autant souffert. La peau de son corps est maciée et plus pâle encore que les draps de son lit. Ses parents ne lui rendent plus visite, car ils ne supportent pas de le voir souffrir. Les docteurs ont depuis longtemps remis son sort entre les mains des dieux. Le garçon a lui aussi perdu espoir. Des émotions inquiétantes, la lassitude, la haine, se bousculent dans les profondeurs de son jeune cœur. Il essaye de combattre l'horreur obscure qui germe son corps, mais ses piètres efforts et ses larmes ne sont pas de taille contre cet envahisseur. Il n'éprouve plus de ressentiment à l'égard de ses parents et des docteurs depuis longtemps. Autrefois, il leur en voulait, mais désormais, la douleur l'accable tant qu'il n'arrive plus à se soucier des autres. La seule personne qui sait le soulager est une jeune fille basanée aux yeux bleus. Elle est le rayon de lumière dans le monde du garçon. L'éclat de sa présence le réconforte, mais il ne peut pas la regarder. Chaque fois qu'il la rencontre, un dégoût profond pour sa situation l'envahit. Ce dégoût corrompt rapidement la joie qu'il ressent en présence de la jeune fille. Un jour, elle ne viendra plus le voir. Il le sait bien. Il passe ses journées à le craindre. Il croit que s'il pouvait lui parler, s'il pouvait seulement lui dire ce qu'il ressent, ce jour ne viendrait peut-être pas. Mais cette conversation n'a jamais lieu. La jeune fille disparaît. Le garçon meurt seul. L'arbre ramasse ce souvenir et l'entrepose soigneusement en son sein. Un mot y est gravé. Envie. Regardez mes souvenirs. Une guerrière redoutable. Son plus grand ennemi est une créature aux yeux ardents qu'elle n'a jamais su comprendre. Lorsqu'elle la tailla de son épée, celle-ci se transforme en statue de sel. Cependant, une fois la poussière dissipée, une autre créature surgit. Et une autre. Et une autre. La guerrière sait bien qu'elle lutte en vain,
mais combattre le flot perpétuel d'ennemis la motive et la remplit de joie. Quelque part, dans les profondeurs de son esprit, abruti par la drogue, se tapit le souvenir d'une enfant. Sa fille n'existe peut-être que dans sa tête. Elle n'est sans doute que le vestige d'un rêve troublant. Elle l'ignore. Ses amis et compagnons d'armes la quittent. Certains s'enfuient, terrifiés. D'autres se font dévorer. Au début, elle avait 23 compagnons. Mais la plupart ont disparu désormais. Le corps de la guerrière tressaillit. Sur le moment, elle ne comprend pas pourquoi. Les ténèbres ont déjà envahi l'arène lorsqu'elle entend un grognement sourd et guttural. Levant les yeux, la guerrière aperçoit un monstre gigantesque qui obscurcit le ciel. Elle rit. Elle rit à en perdre haleine depuis toujours. Maculée de sang et de boue, la guerrière rit. Elle rit et rit jusqu'à ce que la ville qui recèle sa fille soit réduite en poussière. Il y a longtemps que l'arbre entreposait ce souvenir. Un mot y est gravé. Perte. Regardez mes souvenirs. Un dragon écarlate descend des cieux. Ah, j'ai perdu ce souvenir. Dommage, c'était l'un de mes favoris. Après des siècles, l'arbre se rendit compte que ses souvenirs, soigneusement catalogués, diminuaient. Les souvenirs qui paraissaient autrefois infinis semblaient désormais sur le point de disparaître à jamais. L'arbre ne s'en attrista pas. Le chagrin était une émotion qui dépassait son entendement. Par contre, il eut la nette impression qu'il lui manquait quelque chose. La multitude de souvenirs qu'il avait rassemblés avec tant de précaution avait disparu. L'arbre étendit ses branches le plus loin possible, mais il ne put récupérer aucun nouveau souvenir. Le bassin de la mémoire n'était plus qu'un large trou béant, un espace vide où la vie avait jadis prospéré. L'arbre avait perdu sa raison d'être. Il n'y avait plus rien d'autre à faire que d'examiner le peu de souvenirs qui gisaient sur le sol, sous ses branches. C'est pourquoi l'arbre fut ravi de voir le jeune homme et son compagnon entrer dans la salle. Dis donc, cet endroit est plutôt lugubre. La pièce où se tenait Blue était presque vide. Il ne distinguait que quelques cristaux éparpillés sur le sol. Blue en ramassa un et il y jeta un coup d'œil. Il reconnut tout de suite un lieu familier. C'était la forêt des légendes, et ses habitants, prisonniers de leurs rêves. « Je suis désolé, » pensa l'arbre. « C'est tout ce qu'il reste. » Tandis que Blue examinait la gemme, perplexe, une voix l'interpella dans son esprit. Cette voix les implora d'écouter. C'était un ordre, il devait y obéir. Le duo réalisa brusquement qu'il devait obéir. Il devait obéir. Regarde. Une petite silhouette noire s'extirpa du sol. C'était une ombre. L'ombre empoigna plusieurs cristaux. D'autres gemmes dégringolaient de sa gueule comme des fragments de dents brisées. Des images et des sons s'en échappaient avant de s'évanouir à jamais. La créature malmenait les souvenirs et s'amusait avec eux comme s'ils n'étaient que de vulgaires jouets. Cette ombre semble se nourrir de souvenirs. Ces choses mentent des souvenirs ? L'arbre tendit une branche vers Blue. Sans y réfléchir à deux fois, Blue éventra l'ombre de son épée. Une pluie de gemmes cristallines jaillit de l'ombre et se répandit sur le sol. « Regardez, » pensa l'arbre, « voilà le souvenir de conviction que j'avais perdu. Oh, et celui de la satisfaction, et tant d'autres. Oui, très bien. » L'arbre essaya de parler, mais aucun son ne s'échappa de sa bouche. Un millénaire de silence et de solitude lui avait fait oublier certaines choses. Au lieu d'en être irrité, il se réjouit de cette découverte. Concentrant toute son énergie pour résoudre le mystère de la parole, l'arbre s'improvisa des cordes vocales et réessaya. « Je vous... » Il cracha un nez cristal émeraude. Essayons encore une fois. Je vous le demande. Voilà. Quelle était la couleur de l'envie oubliée ? Hein ? Ah merde ! Il y avait une couleur ? Verte ? L'émeraude, elle est verte ? Non ! Non ! J'ai trop focalisé sur la lecture. Aux yeux bleus. C'est peut-être le bleu du coup. Oui, oui, alors voilà, oui. Oui. Elle était bleue. Elle a parlé. Cette ombre est intelligente. C'est un être sensible. Et alors ? Blue balaya d'un geste les soucis de Wace et trancha le bras droit de l'ombre de son épée. L'ombre tendit son autre bras vers Blue. Je dois le toucher, je dois rentrer en contact avec lui. Dès que ses vrilles effleurèrent Blue, l'arbre éprouva une sensation de brûlure. Une pulsation incandescente parcourut ses branches de tout son être. C'était des émotions, d'une intensité telle que l'arbre n'en avait pas ressenti depuis des siècles. L'arbre poussa un cri de surprise et de joie. Après 1000 ans de solitude, 1000 ans de contemplation silencieuse, l'arbre crut qu'il allait se désagréger. Pendant de longs siècles, l'arbre était resté seul, son corps scellé par de lourdes chaînes. Mais c'était terminé. De nouvelles émotions puissantes ranimèrent et élevèrent son cœur. C'était bien plus que des émotions simples dont il avait été doté à sa création.
C'était la naissance d'une âme. Et le jeune homme en était la clé. C'était la promesse faite il y a si longtemps. C'est ainsi qu'il serait libéré. L'intérieur de l'arbre fut pénétré de douleur, une sensation désagréable qui lui était inconnue. Le moment n'était pas encore venu. Je vous le demande, combien d'êtres chers la guerrière qui a combattu les créatures aux yeux ardents a-t-elle perdu? C'était 23. J'en ai assez de ces questions. Je vais éliminer cette ombre une bonne fois pour toutes. Un objet arrondi et brillant tomba de l'estomac de l'ombre avec fracas. La clé! S'écria le livre. Récupère la clé! L'épée de l'homme ralentit. Le temps se dilata autour d'eux, s'étirant, s'engourdissant. Le temps est indispensable. Le prochain mot doit être entendu. Les mots explosèrent. Il devint difficile de comprendre leur signification. Le bassin de souvenirs commença à se craqueler et les ténèbres profondes s'infiltrèrent dans les murs. Weiss dit... Ce monde désagrège. Comment un monde de l'être pourrait... Je demande... Chose plus importante... Monde... Yona. C'est Yona. La lumière devint absolue. Les souvenirs disparurent. L'identité de l'arbre commença à se désagréger. Tandis que les lettres s'estompaient, Blue fut emporté dans le monde réel. Et l'arbre fut satisfait. Ceci... 魔物が思考するというのは初めて知ったな。どうでもいいさ。奴らが何を考えていようと。こんな面倒はもうごめんだ。あの木を倒したことで、もう文字の世界に埋もれることもあるまい。時間が巻き戻りでもせぬ限りはな。 On a la clé. Il y a peut-être un truc à faire au milieu, hein, ceci dit. Il y a peut-être encore un ou deux fragments à avoir. En vrai, on va continuer un peu. Hein. On va aller voir Popola. On va aller voir ce que Popola a à nous dire. Et si on déclenche une suite d'événements qui nous mènent à notre perte, bah tant pis. Hein. That's it. That's life. Popol-san, 魔王の城の鍵の情報は何か分かりましたか? そうそう。 ちょうどそのことで話したいことがあったの。 崖の村は分かるわよね? ああ。 あの憂鬱な者どもの陰気な村か。 それが… 最近はそうでもないらしいわ。 崖の村の村長からの手紙よ。 Bureau du chef de l'air, à Popola. Salutations à vous et à votre village, j'espère que vous allez bien. Voilà trop d'années que notre village s'est coupé du monde et nous souhaitons changer les choses. C'est pourquoi nous avons décidé d'établir une boutique dans le village. Elle est à présent ouverte et j'ai hâte d'y accueillir de nombreux clients venus du monde entier. En ce qui concerne le mot-clé sacrifice que vous avez mentionné, un de nos villageois prétend en connaître la signification. Je vous invite à lui en parler lors de votre prochaine visite à l'air, dans l'attente de vos nouvelles. Mais on l'a pas eu ce truc-là? Vous voyez le mot-clé sacrifice, non? Non? そうね。各村の村長に問い合わせてみたの。すごい。さすがポポロさん。しかし、なんだか都合が良すぎはしないか。 どういうこと?あれだけ閉鎖的だった村人が商売を始めた。その上、魔王の城の鍵の情報まで教えると。ちょっと危険な感じがするわね。気にしすぎさ。それに危険でも構わない。待っているだけじゃ。 ヨナは戻っては来ない。それに魔物がいたら皆殺しにすればいいだけだ。そう、分かったわ。気をつけてね。まずは村長の家を訪ねてみるといいわ。崖の村か。
まずは村長の家だな。気がめいることだな。あの村の者たちが店を出すとは、随分と心境の変化があったものだな。変化したのは本当に心境なのか。私には信じられん。里帰りですね、カイネさん。里？私にとってあの村は…カイネ、心配するな。俺たちを守るから。守るなんて言葉は自分のケツの穴拭いてから言え。Ouais, ça sent vraiment la douille, hein. Ça sent vraiment la grosse, grosse douille, hein. Te répondre, genre si je dis bonjour ça passe pas. Oretachi, Popol-san no mura kara kimashita. Tegami no ken nitsuite o hanashi o kikitai n desu.この村はおしまいだ。こういう陰気な輩であったな。村長、だってあなたが手紙を出してくれたんですよね。知らない。手紙など知らない。どういうことだ。他の者に聞いてみた方が早そうだな。村の者に聞き込みをしてみよう。滅びるんだ、みんな滅びるんだ。恐ろしい。お前たちはいつか。わあ、いや、des gens dans ce village。いらっしゃい。あ、oh, bah, tu manques de la merde. Attends, par contre, attends, quel prix là? J'ai bien vu? Ah, ouais, non. J'avais oublié un zéro, quoi. Mais bon. Ouais, pas ouf, hein, votre village, quand même. Pas ouf, hein. Vous pensez qu'elle vendrait des 1? Bah, non, évidemment. Je m'aurais acheté 10. Ouais, super. Il y a une hana. Il y a une hana.新品ってほどじゃ。はい。はい、スーパー。ゴサム、はい。はい、ゴサム。ボン、サリュー。手紙？知らないな。手紙？そんなのは知らないよ。
紙を出した人？聞いたことないね。もう閉じこもっているのはやめにしたんだ。手紙か。聞いたことあるような。知ってるのか？ないような。どっちなのだ。ところであんたはカイネさんの友達かい？そうだな。噂には聞いてるよ。魔物狩りをしているんだって。しかりこの村の魔物も全滅できるものならしておきたいところだが。そうか、全滅か。全滅、全滅、全滅。しよ。分かっておる、魔物だ。くそ、罠か。見ろ、我の危惧した通りだ。魔物に乗っ取られていたのか。油断するな、他にもいる。帰りが遅いから迎えに来たぞ。すまね、祭りになってしまったものでな。私も参加させてもらおう。カイネさんの村の人たちは魔物に乗っ取られてます。でも全員じゃない、人間も混じってる。Non mais elle va se relever, Kainé. On est d'accord, hein. C'est bon, là, je me fais pas voir ce coup-ci, hein. On va lui parler, elle va se relever. Hein? Kainé, occupez-vous. Emile, Kainé, on t'a demandé. On va aller à l'autre côté. D'accord.
黒い渦は この村は終わった。Mais cette mise en scène, c'est incroyable, hein. J'ai des frissons partout. C'est insane. Là, je suis revenu sur Nier Automata où je me pose 40 milliards de questions. J'ai trop envie de savoir la suite. Enfin, c'est. Oh, ce jeu, c'est incroyable, hein. Vraiment.目の中心から魔力を感じるぞ。この人たち本当は躊躇してはならぬ。奴らはもはや魔物なのだ。 触手は魔法を弾くようだな。なんという素早さだ。 魔力を集中させよ。
裏に集まっておるぞ。高い場所から攻撃せよ。僕がこいつを釘付けにします。エミール、エミール、ここは僕が食い止めます。今なら あいつを後ろから狙うことができるはずです。回り込んで倒してください。お願いします。ここはエミールに任せて奴の後ろに回り込むぞ。下からでは狙えん。もっと近づくのだ。慎重に奴の目を狙え。おい、もうやめろ、エミール。エミール。いいな、エミールはおらぬ。ここにあるは最強兵器の本能のみ。
皆さん、ごめんなさい。僕のせいで罪のない人まで。けどエミールは俺たちを救ってくれたじゃないか。エミールがいなければ俺たちは死んでたよ。ありがとう。でも僕いいんだ。もう振り向くな。これで全部だ。魔王のところに、ヨナのところに行けるのか。しかり。絶対に取り戻してみせる。Il est grandiose ce jeu. Putain, mais pauvre Emile, quoi. Oh. C'est ouais, c'est quand même. Enfin, c'est quand même terrible que le premier à tuer des gens de notre groupe, ce soit Emile, quoi. Ce soit le plus gentil, ce soit le plus bisounours de tous. Genre, enfin, bon. Genre, tu, rien que tu prends le personnage d'Emile, c'est genre incroyable tout ce que tu pourrais trouver à dire et... Enfin, c'est bon, bref. Je vais pas m'épancher là-dessus pour l'instant, mais... Bon. Ça va être marrant, hein, parce que je me rappelle, hein, au début du premier épisode du jeu, je dis, ouais... Il me touchera pas autant que... Automata. Bah, yes, hein. まるで誰かに集めさせられているような。シロは考えすぎだ。しかし罠だとしても、そこにヨナがいるのなら俺は行く。そうか。うん、まあ、on va s'arrêter là, ceci dit. On va s'arrêter ici pour cet épisode. Panique, hein.J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Bon, bah, on aura bien avancé dans la quête principale. Et la prochaine fois, je pense que. Je sais pas, je verrai. J'essaierai un peu de pêcher les poissons, sauf que j'ai aucune idée de là où je peux pêcher le poisson, ce poisson-là. Il faudrait que je teste, qu'à mon avis, du coup, c'est un poisson qui devait être ultra chaud à choper. Peut-être que maintenant, ça peut le faire. On verra. Sur ce, moi, je vous dis, prenez soin de vous.
On se retrouve bientôt pour la suite de Nier Répliquant. C'était Blue. Bye bye.